Prière de Sœur Josefa Menendez, tirée de son livre Un appel à l'amour. Ô très doux et très aimé Jésus, si tu n'étais pas mon sauveur, je n'oserais venir à toi. Mais tu es mon sauveur et mon époux, et ton cœur même de l'amour le plus tendre et le plus ardent, comme aucun autre cœur n'est capable d'aimer. Je voudrais correspondre à cet amour que tu as pour moi. Je voudrais avoir pour toi, qui est mon unique amour, toute l'ardeur des séraphins, la pureté des anges et des vierges, la sainteté des bienheureux qui te possèdent et qui te glorifient dans le ciel. Si je pouvais t'offrir tout cela, ce serait encore trop peu pour louer ta bonté et ta miséricorde. C'est pourquoi je te présente mon pauvre cœur tel qu'il est, avec toutes ses misères, ses faiblesses et ses bons désirs. Daigne purifier dans le sang ton cœur, le transformer et l'embraser toi-même d'un amour pur et ardent. Ainsi, cette pauvre créature que je suis, incapable de tout bien et capable de tout mal, t'aimera et te glorifiera comme les séraphins les plus embrasés du ciel. Je te demande enfin, ô très doux Jésus, de donner à mon âme la sainteté même de ton cœur, qu'elle soit plongée dans ton cœur divin, afin qu'en lui, je t'aime, je te serve, je te glorifie, et qu'en lui, je me perde pendant toute l'éternité. Je te demande cette grâce pour toutes les personnes que j'aime. Puissent-elles te rendre pour moi la gloire et l'honneur dont mes offenses t'ont privé. Prière numéro 2. Ô Dieu infiniment saint, je t'adore. Je me prosterne humblement en ta présence et je te prie, au nom de ton divin Fils, de pardonner à tant de pécheurs qui t'offensent. Je t'offre ma vie et je désire réparer tant d'ingratitude. Mon Père, Dieu saint et miséricordieux, reçois mon désir de te consoler. Je voudrais pouvoir réparer toutes les offenses des hommes, mais, comme cela m'est impossible, je t'offre le mérite de Jésus-Christ, Rédempteur du genre humain, afin de satisfaire à ta justice. Prière numéro 3. Père éternel, qui, par amour pour les âmes, a livré à la mort ton Fils unique, par son sang, par ses mérites et par son cœur, aie pitié du monde entier et pardonne tous les péchés qui se commettent. Reçois l'humble réparation que t'offrent tes âmes choisies. Unis-les au mérite de ton divin Fils, afin que tous leurs actes soient de grande efficacité. Ô Père éternel, aie pitié des âmes, et n'oublie pas que le temps de la justice n'est pas encore arrivé, mais celui de la miséricorde.